Espírito. Accroche-toi! Nathan. Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Tu dois en avoir assez d'entendre mes sermons, au moins autant que moi, j'imagine. Et aujourd'hui, tu es forcé de passer tout le week-end ici avec moi au lieu de partir avec les autres. J'en ai rien à faire. Oui, et c'est justement ça le problème. Comment ça se fait que je sois le seul à être puni? C'est toi qui as déclenché la bagarre. Mais il voulait pas me rendre mon livre. Je t'avais dit de laisser ses livres dans ta chambre. Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas pour ça qu'il avait le droit de me le piquer. Et toi, est-ce que ça te donnait le droit de lui donner des coups de poing? C'était pas seulement à cause du livre.
Quoi d'autre, alors ? Rien du tout. Je le dirai en confession. J'ai eu beau tout essayer. Tu t'obstines encore à suivre la même voie que celle qu'a suivi ton frère. Un vrai gâchis. Sam ? Ouais, je te vois. On grimpe et on fait le tour. Je sois discret. Oula. N'est-ce pas justement notre devoir d'aider les garçons comme nous ? Pendant ce temps, je n'ai plus de 12 autres garçons sous ma responsabilité. Qu'attendez-vous exactement ? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui-même. Vous allez devoir prendre une décision. Bon, j'irai lui parler demain matin. D'accord ? Bonne nuit, mon père. Nathan ! Tu ne t'en tireras pas comme ça ! Qu'attendez-vous exactement ? Vous savez ce que j'en pense. Je ne veux pas qu'on le laisse livrer à lui. Vous allez devoir prendre une décision. Bon. J'irai lui parler demain matin. D'accord ? Bonne nuit, mon père. Bonne nuit, sœur Catherine. Faut que j'atteigne cette fenêtre. Allez. Allez, reste pas là.
de nouveau oublié mes clés. Pouvez-vous m'ouvrir le portail? J'arrive, mon père. Sam ? Tu dois apprendre à surveiller tes arrières. Ça va. Ça fait plaisir de te voir, petit frère. Attends, qu'est-ce que t'as là ? Non, t'as recommencé ? C'est rien. On n'avait pas dit d'éviter les embrouilles. Mais il disait du mal de nous. Et alors ? Il a dit que papa nous avait abandonnés parce qu'on était nuls et que maman était en enfer parce que... Nathan, arrête, s'il te plaît. Il dit ça parce qu'il sait que ça t'énerve. Tu piges ? Il va falloir que t'apprennes à en rire. T'aurais pari. Ouais, et bah fais ce que je dis et pas ce que je fais, d'accord ? Tiens. Va pas t'enrhumer. Alors, qu'est-ce que t'es venu faire ici, en fait ? Si jamais les sœurs t'attrapent, elles vont appeler les flics. Bah, j'ai une surprise pour toi, et ça pouvait pas attendre Noël. C'est quoi ? Il faut sortir. T'appelles ça éviter les embrouilles ? On va dire que c'est une exception. Ouais. Ah, joli saut. Allez, allez, donne-moi ta main. Dis donc, léger. Ta sœur te donne pas à manger ou quoi ? Il y a personne là-dedans. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? Une sorte de retraite biblique. Ah ouais, je m'en souviens. Et comment va le père de fille ? C'est bien le seul être humain dans le coin. Tu devrais passer le voir. Non, je vais pas me sentir coupable. Très loin. C'était fastoche. Merde. Tu l'as pas bloqué ? Bah, si. Du moins, je croyais l'avoir fait. Allez, c'est pas grave. On va prendre la voie des airs. La voie des airs ? Bien, suis-moi. Regarde ça. Wow. Et maintenant, on prend la voie des airs. T'as déjà fait ça avant ? Une ou deux fois. Allez, viens. À ton tour. Tu fais quoi en ce moment ? Je bosse principalement. Tu sors toujours avec cette fille ? Qui ça ? Ah, Crystal ? Ouais,
Ça va, ça vient. En ce moment, c'est pas le top. Pas y penser. Tu vas y arriver. Je te tiens. Tu vois, c'est pas compliqué. Tu m'étonnes. Doigt dans le nez. Reste avec moi. Plus, hein. Ouais, carrément. Hé, par là. Juste derrière toi. Attention, va falloir sauter. Ok. C'est parti. On se met au milieu. Et on y va tout doux. Je crois bien que c'est péché. Prêt, Tarzan ? Ouais. Vas-y, passe devant. Oh. Allez, vas-y, grimpe au clocher. Je peux pas sauter d'aussi haut. Ok, dans ce cas, t'as qu'à faire un tour. On a une belle vue d'ici. Ouais. Pas mal. T'es déjà monté ici avant ? Sur ce toit en particulier ? Non. Mais... tu sais quand même où tu vas, j'espère. Ouais, à peu près. Allez, tu restes ici et tu me regardes. C'est ton tour. Ok, ça va aller. Ça va aller, Nate. Vas-y, lance-toi! Faut pas trop tricher! Oh merde! Je te tiens! Allez! Allez! J'ai réussi? Ouais! Les doigts dans le nez! Viens, suis-moi! Tu sais quoi ? Et si tu passais devant ? T'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Tu me montres le chemin. T'assures, Nathan ? Ok. C'est parti. Ok. Ok. Après toi.
Et nous voilà dehors. En moins de deux. Super. Comment tu la trouves? Hein? Wow, t'as une 250? Une 250? Non mais ça va pas. C'est une 500 cm3. Bicylindre, mon petit gars. Oh, elle est trop belle. Tu m'étonnes. À qui tu l'as volée? Eh, c'est pas très sympa, ça. Ben, justement, puisque t'abordes le sujet, j'ai beaucoup changé, tu sais. J'ai travaillé très dur pour me la payer. Allez, viens, grimpe. Quoi? En général, quand tu fais un truc de ce genre, c'est que tu veux te faire pardonner. Tu sais que ça finira par te jouer des tours d'être aussi malin. Ok. J'ai trouvé du boulot. C'est bien payé. Très bien payé. L'inconvénient, c'est que je dois partir quelque temps. Combien exactement? À peu près un an. Grand max, et je serai revenu avant même que tu t'en rendes compte, t'inquiète. Tu vas me laisser tomber? Oh, arrête, pas la peine d'en faire des tonnes. C'est pas déjà assez cruel de me laisser pourrir ici? Comment tu peux me faire un truc pareil? Attends, si je le fais, c'est pour toi. Tout cet argent que je gagne, il est pour nous deux. Et dans deux ou trois ans, deux quand tu sortiras... Deux ou trois ans, tu rigoles? Je veux venir avec toi. Non, je galère déjà bien assez tout seul. Mais je peux bosser. Je sais que tu penses que ça craint l'orphelinat. Oh, t'imagines même pas. Si, mais c'est quand même ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu comprends? Je t'assure, fais-moi confiance. C'est pas juste. Hé, hey, on n'a pas eu de chance dans la vie, mais ça nous a pas arrêtés. Pas vrai? Ouais. Tu sais, cette moto, c'était pas la seule surprise de la journée. Mais à quoi bon faire durer le suspense? Quoi? J'ai retrouvé les affaires de maman. Tout ce que papa a vendu, je sais chez qui c'est parti. Tu dis pas ça juste pour me remonter le moral? Non, je te jure que c'est vrai. Où ça? Pas loin. De l'autre côté de la ville. Ça te dit si on allait les récupérer? Tu veux qu'on les vole? C'est pas vraiment du vol, puisqu'on va récupérer ce qu'il y a à nous. Ça m'étonnerait que les flics voient ça du même œil. Pourquoi tu veux qu'on se fasse choper? T'es prêt, champion? Carrément. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Va a falloir faire mieux si tu veux te débarrasser de moi. Acabemos con esto. Je t'attends. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Chinga, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Cómo está esto? A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? ¡Gánalmelo! ¡Escobagua! ¡Rómpele el brazo! ¡Lucha como un hombre! ¡Tú la bien cherché! ¡Puedes hacerlo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Vuelve ahí! ¡Una paliza, amigo! ¡Te futura! ¡Acaba con él! ¡Vuelve ahí! ¡Ven! ¡Vuelve ahí, amigo! Esto es por meterte con nosotros. ¡Ya lo tienes! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Derríbalo! ¡Dale una paliza! ¡Ve! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Qué rote, gringo, amigo! ¡Ça suffit, idiotas! ¡Mátenme! ¿No le tipo en train de se battre? ¿Hein? ¿Pas vrai, l'avorton? ¡Voy a matar, gringo, come mierda! ¡Eh, fais-moi signe! ¡Quand atteindras les pédales de la voiture! ¡Te voy a sacar tiras por el culo! ¡Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre. Allez, quoi? Combien de temps je vais devoir croupir là-dedans? Hein?
Et où sont les toilettes? Je te laisse deviner. Amuse-toi bien. Je vais me gêner. Gracias. J'étais en train de faire un super rêve. Hé, hé, hé. On se calme. Doucement. Ah ! Ok, calmate. Pour pas, pendejo. Et sinon, je pourrais prendre une douche ? Cállate. Monsieur, bonsoir, difficile à dire au fond de ce trou. Oye, idiota, monte les escaliers. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Una semana. Salut, ça va bien? C'est humide aussi. Bienvenue au Panama. ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. ¡Déjanoslo a nosotros! ¡Nos encargamos de él! ¡Muévanse! ¡Quítense, cabrones! ¡Hey, hey! ¡Tranquilízate! On dirait que tu as des admirateurs. ¡Hey, mon public adoré! ¡Abre las rejas! ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Je parle un peu espagnol, tu sais. Attends, mais qu'est-ce que t'as dit? Tu le sauras bien assez tôt. Te lo advertí. No escuchaste. Mirando. Nada, amigo. Vaya. Atrás. De este lugar. Bien. Après toi. Non, ça a pas l'air louche du tout. Je sais pas, je trouve que ça ressemble pas au bureau du directeur. Va à gauche. Ouais, c'est bon. On y est. Ok. Ok, tu me les enlèves ces menottes ou quoi? Je veux en être. En être? Je sais pas ce que vous comptez trouver là-haut, mais je veux en être. Attends, Vargas, le deal, c'était que tu nous fasses entrer et ressortir, c'est tout. C'est tout. Je prends tous les risques à votre place, Gringos. C'est vrai, mais Rafe te verse une très grosse somme en contrepartie. Si. Mais c'est loin d'être suffisant. T'aurais jamais dû regarder dedans. Je sais. J'aurais jamais dû non plus me laisser acheter. Ni vous emmener dans cet endroit. Ni passer mes nerfs sur mes détenus. Mais c'est comme ça. Tu pourrais faire attention, ça a au moins 300 ans. J'étais membre de l'équipage du capitaine Henri Avery.
Tu sais de qui il s'agit? Avery était un pirate. Le pirate qui a ramassé le plus gros butin de toute l'histoire. Et qui a disparu avec. J'ai fait des recherches. C'est super. Un trésor de plus de 400 millions de dollars d'or et de bijoux. Tout ça sur un seul et unique bateau. Le Gunsway. Ouais. Je sais, je connais cette histoire par cœur. Où est-ce que tu veux en venir? J'occupe la cellule la plus élevée de la prison espagnole. Ah, ici. J'espère qu'un jour vous finirez par trouver votre chemin en ce lieu infernal, que vous porterez ma croix et que vous découvrirez les richesses du paradis. Et alors, qu'est-ce que tu veux? Les richesses du paradis. C'est une métaphore. Non. Toi et tes amis, vous m'avez pas payé pour venir dans ce lieu infernal à la recherche d'une métaphore. Alors je vais en être. D'accord. Voilà ce qu'on va faire. Tu me laisses monter là-haut, faire le tour de cette cellule. Si jamais il reste quelque chose après 300 ans, t'auras qu'à t'arranger avec Rafe. Allez, détache-moi. Ah. La lettre. Por favor. Et comment tu comptes faire pour monter? Je vais grimper. Oh, sauf bien sûr si tu veux le faire toi-même, puisque tu veux absolument en être. Va pas te briser le cou. Ouais. Je vais faire en sorte. T'as apporté ce que j'ai demandé? Ouais. Je l'ai caché juste là. En dessous de la table de travail. À côté des caisses. Super, merci. Et voilà, les doigts dans le nez. Enfin, les affaires reprennent. Ça devrait faire l'affaire. Là, c'est cette cellule. Comment je vais arriver là-haut? Parti! Pour essayer de glisser par là en m'accrochant à ce poteau. J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. Allez, toujours plus haut.
J'ai vraiment hâte de raconter ça à Sam. La cellule la plus haute. Oh, merde ! Difficile de croire que des dizaines de pirates étaient terrés là-dedans, en attendant d'être pendus. J'arrive à monter. Allez, faut bien le reconnaître. C'est vraiment trop cool. Sam pouvait voir ça. Nous y voilà. C'est la cellule de Burns. Une cellule ? Ça ressemble plutôt à une suite. Alors, par où commencer ? Tous ces gribouillis et ces rayures doivent bien avoir un sens. Le soleil et la lune, les symboles alchimiques de l'or et de l'argent. Une minute, il semble que j'ai vu quelque chose comme ça sur la lettre. Ah, c'est bien une partie du symbole. Ah, voilà l'autre moitié. Alors. C'est déjà plus logique. Ok, alors j'ai deux signes du zodiaque, Sagittaire et Scorpion. Ah, c'est pas ça. C'est 2, X et II. Regarde-moi un peu ça.
temps d'y aller. La première marche est dangereuse. C'est parti. Et maintenant... C'est parti. Attention. Une fois. Attention. Une fois. J'aimerais bien voir Ray faire ça. C'était mon épaule. Voilà Vargas. Je veux ma part. Je veux en être. Je vais t'en donner, moi. J'ai réussi. Ça, c'est bon signe. Huh.
travail. T'as trouvé quoi ? Drake ? Quoi ? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr ? T'as bien regardé au bon endroit ? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que y a des plans de ces bâtiments ? Des plans d'architecte ? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour, et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam, c'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te foutre une semaine. Un sacré acteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Te puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que ir. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Hé, hey, wow. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison. Tu veux dire on avait raison? Il ne nous reste plus qu'à trouver Raifea. Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux, toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On n'avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. En parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde! Bref, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler. T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avery prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Ben, parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Ouais. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Compris. Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avery, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de ce toit. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant
d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! ¡Tú no te metas! Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. ¿Es que tú fais de la contrebande? Oh, yes. ¡Cállate! ¿Por qué es que te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas ? T'es sérieux, là ? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors ? Mais des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, hey, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord ? Vous me prenez pour un con ? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à... 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pas ça qui va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me tomber... Putain. Voilà, c'est Agué. T'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu veux vraiment le savoir? Mais merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Thank you.
Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Ah!
continuer à descendre le courant. Bien reçu. Tiens-moi au courant. Je le ferai. Hey, d'après ma montre, il te reste un quart d'heure de bouteille. Tu veux remonter? Non, ça va aller. Ça doit pas être loin. Si tu la trouves pas vite, j'annule tout. Je vais la trouver. Ok. Quelque chose là. Qu'est-ce que c'est? La brouille, la bonne couleur, c'est peut-être déchiré en heurtant les rochers. Je comprends rien. Désolé. On dirait un morceau de notre épave. Elle doit pas être bien loin. Tu m'intéresses là, Drake. Tu m'intéresses. Ah, le voilà enfin. Je l'ai trouvé. Super. De quoi elle a l'air? Elle a souffert, mais elle est entière. C'est bon, je suis dedans. Hein, on dirait qu'une grande partie est encore attachée. Bon, si j'ai bien compté, il manque deux caisses. Je vais aller voir si je les trouve. Attends, tu crois pas que tu devrais d'abord remonter pour te ravitailler? Je suis sûr que la caisse est tout près d'ici. J'en ai trouvé une. Ah, merde. La caisse est coincée sous la remorque. Voilà ce qu'on va faire. Tu ranges l'autre. Et après, on soulèvera la remorque. Ah, tu vois, c'est pour ça que tu touches les grosses brides. Ouais. La caisse n'aurait pas pu dériver aussi loin. J'ai trouvé l'autre caisse. Une de trouvée, plus qu'une. Mets-la dans la remorque, on arrive sur ta position. Ça marche, à tout de suite. Caisse de sécurisée. Pile poil. On est juste en dessous de toi. On descend les élingues. Voilà, ça descend. Ok, tout est en place. Accroche la remorque. On va la soulever un peu pour toi.
D'accord, garde un œil sur ton oxygène. Ouais, c'est bon. Ok, j'ai le cap. Je vais essayer de l'enrouler autour de l'organisation. Ça devrait marcher. Ouais. Et voilà pour le deuxième. La remorque est attachée, à toi de jouer. Ok, écarte-toi, on va soulever. C'est quand vous voulez. Et on la remonte. Je sais pas sur moi. Je te promets rien. Ok, c'est bon. J'ai l'autre caisse. Maintenant, je vais l'attacher avec les autres. Il reste encore 5 bonnes minutes d'oxygène. Bon sang. Alors dans ce cas, tu devrais peut-être rester en bas, voir si tu peux pas trouver d'autres trésors. Non, ça va aller. On te remonte ? Oui, pourquoi pas. Reviens-moi une fois sur les évergues. C'est bon, je suis en position. Allez, sors-moi de là. Ok, ça roule. C'est parti. Regarde-moi cette beauté. Comment tu te sens? Mieux maintenant, je suis sorti de la rivière. J'ai tué le poisson pendant une semaine. Ok, on vient te chercher un peu de patience. Je suis patiente. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, ça me fait plaisir aussi. Vas-y, je le rattrape. Ok, tiens. Super. Dis donc, elle est légère cette bouteille. Eh, hey, avoue que je te facilite la tâche, là. Drake, je t'avoue que c'était pas la plongée la plus reposante à laquelle j'ai assisté. Attends, c'est un compliment? Parce que là, j'en peux plus. Non, tu sais ce qui est impressionnant? Ton odeur. Je sais pas trop, moi je l'aime bien. Ça me fait penser à ta mère. C'est pas cool, mec. Je vais lui dire que t'as dit ça. Est-ce qu'on a tout? Il manque rien du tout. On passe pour des guignols à côté. Sans vous, j'aurais rien pu faire. Attends un peu. Ça va pas. Laisse-moi lire ça. On en reparlera plus tard. Hey, mon héros. Allez, voyons ce que t'as rapporté. Si tu laissais la main à quelqu'un d'autre la prochaine fois. Ça ira, merci. Je préfère plonger plutôt que de rester coincé derrière un bureau. Eh ben écoute, quoi qu'il en soit, le prochain plongeon sera pas pour tout de suite. Comment ça? Et le boulot de jeudi alors? Oh, tu rigoles. Une meilleure offre. Non, mais c'est pas vrai.
Eh, la concurrence est rude. Et si on regardait ça de plus près maintenant? À toi l'honneur. Ouais, bien sûr. Merci. Regarde-moi ça. On a trouvé du cuivre. Bah, tu serais surpris de savoir combien ça peut rapporter. Les clients paient une fortune pour un lot comme celui-là. Tu veux pas plutôt le faire fondre et fabriquer quelques pièces? Allez, viens, on va fêter ça. Tu fais la première tournée. Faire la tournée des bars avec vous? Non, non, non. À moins qu'il y ait une prime de risque. Ah, si ça t'embête pas trop, je préfère aller m'occuper de la paperasse. Et rentrer direct me coucher après. La prochaine fois? Si tu veux. C'est toi qui vois. Hé hey. Ça fait du bon travail. Merci. Du cuivre. Hé, hé, Nate. Nate, attends. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un cadeau pour toi. Un cadeau? Qu'est-ce que c'est? J'ai de nouvelles infos de mon contact sur l'épave au large des côtes malaises. Oh non. Ah, et le bateau est intact. Ouais. La marchandise nous tend les bras. T'es pas du genre à lâcher le morceau, toi. Attends. On a reçu tout l'argent pour acheter l'équipement. On a tout ce qu'il faut. Sauf, bien sûr, le meilleur de mes gars. Le seul gars en qui j'ai confiance pour ce job. Le seul. Et lui, il se dégonfle. Je te signale que je me suis jamais engagé. Et puis ton fameux contact, là. Il a les autorisations? Non, il n'a pas les autorisations, mais on s'en fout complètement de la paperasse. Bah tiens. Mais Nate, c'est ce qui joue en notre faveur. S'il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de concurrence. Le bateau est à nous. S'il n'y a pas d'autorisation, moi je viens pas. Nate, il y a assez pour qu'on prenne notre retraite. Pour qu'on se la coule douce tous les deux. Alors je sais pas pour toi, mais moi je tiens pas à faire de la récup jusqu'à mes 60 ans. C'est ce que tu veux? C'est mieux que la prison. Écoute, je vais faire l'impasse. Et tu devras en faire autant. Bon, mais garde ça avec toi. Fais-moi plaisir, mais ok? Mais je risque pas de changer d'avis. Tu sais que la nuit porte conseil, tu le sais. Salut Carla et les enfants de ma part. D'accord. Je veux pas te forcer, Nate. Mais tu devrais y penser. T'as vraiment tout prévu sur ce coup-là. Ça réduit la zone de recherche. Ça nous ferait une sacrée belle trouvaille. Ah, l'enfoiré. Non, non, pas question. Toi, tu vas rejoindre tes petits copains. Ça, c'est l'un des trucs les plus bizarres que j'ai récupérés. Un jour, j'ai escaladé ton grand frère. Sir Francis Drake a pris une balle à la place de Sully. La fine équipe. Shambhala. Ça fait un bail.
San Francis et ses énigmes complexes. Saint-Dismas. Un souvenir plutôt douloureux. Cool. Allez, on y retourne. Et bam! Allez, viens te battre. Mange-toi ça. Je t'ai eu. Ouais, j'arrive tout de suite. C'est là-dessus que tu bosses. Ah, on aurait vraiment besoin de prendre des vacances. Ça remonte à quand ?
Voilà, c'est fait. T'as terminé? Ouais. Tu sais, c'est sûrement trop long et pour être coquille, mais les correcteurs sont là pour ça. Oh la vache, je meurs de faim. Je vois ça. Alors, ta journée? Quoi? J'ai pas déchiffré. Oh, désolé, excuse-moi. Alors, et ta journée? Oh, elle était sympa. Un jour comme les autres au paradis. J'ai sorti un paquet d'ordures de la rivière. Ouais. Alors, t'as eu la chance de te baigner? Et t'as eu des ordures intéressantes? Oui, il y avait un truc pas mal. C'était un camion du début du 21e siècle. Superbe. Apparemment, les autochtones appellent ça un semi. Ouais. Non, c'est pas. Voilà. Vrai. Mais bon, rien de bien intéressant. Parle-moi de ton article. Eh ben, au début, j'étais censée rédiger un fait divers qui tournait autour du tourisme à Bangkok, mais je ne suis pas sûre que le magazine va aimer l'approche que j'ai choisie parce que, en arrivant là-bas, impossible de ne pas remarquer la grande intensité du nuage de pollution. C'est comme si tu le sentais directement entrer dans tes poumons dès la descente de l'avion. Ah! Quoi? T'étais où? Agressé à la fourchette. Ouais, vraiment. Quoi? Bah, allez, continue, c'était super intéressant. Ouais, c'est vrai. Et sur quoi porte mon article? Quoi? Celui-là. Les gens de Bangkok et de la pollution, les gens qui ne peuvent pas prendre l'avion quand ils veulent, et ça fait mal aux poumons. Waouh. Bon, ok, désolé. Non, c'était une belle tentative. Attends, j'étais quand vraiment... même pas loin à vous. Bah, t'étais complètement à côté de la plaque, alors tout est relatif. Jameson t'a encore parlé de ce boulot en Malaisie, hein? Jameson me parle tout le temps de ce boulot en Malaisie. Écoute, Nate, moi je pense vraiment que t'as tort de pas l'accepter. Tu sais, j'ai pas du tout envie de le faire. Je te jure, il a même pas les autorisations qu'il faut. Et on avait décidé qu'on allait plus jamais accepter ce genre de boulot. Je sais, ça en vaut pas oui, la peine. Mais est-ce que c'est bien juste une question d'autorisation? Franchement, ça a pas l'air si risqué. Laisse tomber. Tu pourrais appeler Sullivan. Tu l'as pas vu depuis bon, quoi? Bon, Elena. 2 ans? S'il te plaît, on peut parler d'autre chose? D'accord, mais ce que je veux pas, c'est que tu refuses ce job à cause de si moi. Si je refuse ce job, c'est à cause de moi, ok? J'apprécie le geste, mais le truc, c'est que... Bon, allez, je vais faire la vaisselle. Attends, je vais le faire. Je vais le faire, je te dis. Tu l'as fait hier soir? Non, t'as cuisiné, je nettoie, c'est normal. Ou alors, laisse-moi au moins essayer de mériter mon repas. Je sais pas, on pourrait peut-être... Et si on faisait une partie? Tu veux jouer contre moi? Ouais, ce petit jeu sur la télé, celui auquel tu joues tout le temps, je parie que je peux battre ton record. Tu crois que tu peux me battre à ce petit jeu sur la télé? Non mais t'es malade. Ouais, et je crois même que t'as peur. Mais arrête, tu sais même pas comment ça s'appelle. Mais j'ai pas besoin de savoir comment ça s'appelle, je t'ai déjà vu jouer, il faut sauter, courir et t'avoueras que j'ai un talent inné pour ce genre de choses. Tu crois ça? Alors, tu relèves le défi ou quoi, espèce de poule mouillée? Ah ok, d'accord, je vois le genre. Ok, regarde et prends-en de la graine. J'en prends de la graine. Ça y est? Non, ça charge là. Ça charge? Oui. J'aurais eu le temps d'aller me faire un café. Qu'est-ce que t'es impatient? Je sais pas, mais quand j'allume un truc, j'aime bien que... Ok, c'est parti. Vache, est-ce que t'as un problème? Non. Non, non, c'est juste que... Comment on fait démarrer? Appuie sur la touche start. Je savais. Oui, oui. Ça va. Bon, alors le but, c'est de courir vers la caméra. Courir vers la caméra. Et la touche cercle, là, c'est pour l'attaque tourbillon. Laisse pas le rocher t'attraper. Mais pourquoi il me poursuit, ce rocher? Arrête de parler, cours! Je vais rien faire à ce rocher.
crier dessus. Je crie pas, je t'encourage. Je te coach. Hop, hop, hop. C'est quoi, un renard? Un péramel. Tiens, un renard. Un renard avec un pantalon. Quand tu croises une caisse... Oh, il a certainement eu mal. Pourquoi tu continues à jouer à ça? Parce que je suis super forte. Je comprends pas pourquoi les gens font là ces jeux. Ça s'arrête là? C'est ce que tu voulais. Attends, c'est une blague. J'avais presque gagné. Tu peux réessayer si tu veux. Allez, on fait quitte ou double. Ma voiture a vraiment besoin d'un gros nettoyage. Ouais. T'as vraiment l'intention de me réutiliser? Il y a un mode facile pour les gens comme toi et je viens de l'activer. Voilà. Ça devrait être ouais, ça c'est ça, vas-y, continue. Facile. Enfonce le couteau. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens, qu'est-ce juste. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te préviens. Dans la vraie vie, de quoi t'es capable? Je vais te montrer. Montre-moi. Je vais te montrer. De quoi t'es mais qu'est-ce capable que tu dis ça? Est-ce que t'es heureux? Mais oui, bien sûr. Et toi? Tu rigoles? Approche. On n'est pas encore ouvert. C'est fermé. Ah, c'est pas vrai. Ça va, c'est bon. Je viens vous ouvrir. Fais chier. Oui, je peux vous aider? J'espère bien. Je cherche mon petit frère. Il doit être aussi grand que vous. Un poil plus svelte, et carrément moins grisonnant. Sam? Ça fait plaisir de te revoir, Nathan. J'en reviens pas, Sam! Oh, ça va, du calme, y a pas de quoi s'exciter. Comment? Enfin, je te croyais... Tu t'es fait tirer dessus. Ouais, et pas qu'un peu. Tu vois, c'était là. La vache. Les docteurs, ils m'ont... Enfin, docteurs, ils m'ont un peu rafistolé, puis... Il m'a recollé au trou direct. Je veux bien, mais... J'ai cherché partout, j'ai passé un tas de coups de fil. Tout ce qu'on m'a raconté, tout ce que j'ai pu trouver, ça confirmait que t'étais mort. Ah, Nathan, on a buté un garde. Il voulait que je pourrisse dans cette cellule jusqu'à la fin de mes jours, et j'ai bien failli. Mais c'est pas possible. Je te jure, si j'avais imaginé deux secondes, je serais venu sortir de là. Tu serais venu me sortir de là. Je le sais, Nathan. T'inquiète pas. Le plus important, c'est que j'ai réussi à m'en sortir. Bah alors, tu restes avec moi? Je vais sortir un peu. Tu vas quand même pas me claquer dans les pattes. Bah, quoi, je te garantis rien. Ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Mais comment t'as pu t'en sortir? Et depuis quand t'es sorti? Et comment t'as atterri ici devant oh là, moi? Oh là, on se calme. Hein? On va s'asseoir.
Parle-moi un peu de toi. De moi? Ouais. Tu veux savoir quoi? J'ai appelé de vieilles connaissances. Elles m'ont raconté des histoires de dingue sur toi. Bon, quoi par exemple? Tu t'es pris une balle? T'as été suspendu à un train au-dessus du vide dans l'Himalaya? Ouais, c'est vrai. Des histoires de dingue. Allez, raconte, dis-moi ce que j'ai raté. Si tu savais ça, par quoi je commence? Commence par le meilleur passage. Ok, tu te rappelles, on avait une théorie selon laquelle Sir Francis Drake aurait mis sa mort en scène? Oui, je vois. Eh ben, on avait raison. J'ai trouvé son cercueil. Il était au large du Panama? Ouais. Ouais. Oh. Attends, tu sais pas la meilleure? J'ouvre le cercueil, ouais. Et là je vois qu'il est vide. Mais, tout au fond, il y a son vieux journal. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que je peux te dire? Une autre cité perdue a été détruite. Et on s'en est sorti vivant. À peu près. Vraiment pas croyable. Ouais, c'est vrai. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, mais je t'assure, c'est vraiment pas croyable. Alors, si je comprends bien, t'es encore une fois tombé sur un filon archéologique de malade, et on sait pas comment tu t'es débrouillé pour rentrer avec que dalle. Malheureusement, je crois que ça résume assez bien ma vie. Cela dit, j'ai quand même récupéré une ou deux babioles en chemin. Pour payer les crédits pour la voiture, la maison, l'alliance. L'alliance? Mais oui, je suis marié. Comment j'ai pu? Elena, la journaliste, on est mariés. Il faut que je te la présente. Ce soir, si tu veux. Tu viens chez nous, on se fait un bon dîner, et je lui dis tout à propos de toi. Chiotte, va falloir que je lui balance tout. Nathan. Écoute, je suis dans une merde noire. Quoi? De quoi tu parles? Quel genre de merde? Est-ce que le nom d'Hector Alcazar te dit quelque chose? Oui, c'est un baron de la drogue. Le boucher de Panama, je crois. Pourquoi? Ça remonte à l'année dernière. On a partagé la même cellule. C'est comme ça que j'ai pu sortir de prison. Pourquoi tu dis pas ce soir? Samuel, viens ici. Tu entends? Les gardiens, ils chantent. Eh ben, ils sont sûrement bourrés. Peut-être. Ils ont l'air contents. Comment est-ce qu'ils peuvent être contents de leur petite vie, de leur misérable boulot? Bah. Ils ont leur femme qui les attend à la maison. Nous, on a quoi, hein? Je le prends pas mal. Nous, on a de l'ambition. Oh. Mais quand on sortira d'ici, cette ambition nous emmènera dans des endroits que ces idiots n'imaginent même pas. Ouais, eh ben, j'admire ton optimisme. Tu feras quoi quand tu sortiras d'ici, Samuel? Si jamais je sors un jour, je pense que tu le sais déjà. Je le sais. Mais je voudrais bien te l'entendre dire. Je vais tout faire pour trouver le plus grand trésor de pirates de tous les temps. Et je suis sûr que t'en peux plus de m'entendre parler de ce trésor. Oh que non. L'histoire d'Henri Avery et ses 400 millions en pierres précieuses et en or, c'est devenu comme une agréable berceuse pour moi. Est-ce que tu crois vraiment pouvoir le trouver? Si je sors d'ici un jour? Ouais, absolument. De l'ambition. C'était quoi la citation d'Avery? Je suis un homme de fortune et je dois rechercher ma fortune. J'aime sa façon de penser. Qu'est-ce que c'était? C'est l'occasion que tu attendais. Señor Alcázar, un gusto verlo. Sáqueme de aquí. Oh. ¿Qué hacemos con él? Samuel, ¿tú es prêt a rechercher ta fortune?
Oui. Vámonos. Oh, putain de merde. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan. Fantástico. Depuis combien de temps tu prépares ça? Depuis le jour où j'ai mis les pieds dans cet endroit. Garde le rythme, Samuel. Il faut qu'on fasse aussi vite que possible. Bordel de merde. Pedazo de mierda. Bate de la puerta. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Bordel. Ces types sont des sadiques. Alors on rend service à l'humanité. Tiens, tu vas en avoir besoin. Est-ce que tu te souviens comment ça marche? Oui, oui, ça me revient. Abran todas las puertas. Hector! Si tu fais ça, tu vas déclencher une énorme émeute. Exactement. Aganlo. N'éloigne pas, Samuel. Je vois ça. Bon, et maintenant? Estamos en position. Están listos? Sí. Busquen donde cubrirse. Samuel, mets-toi à couvert. Quoi? Mais pourquoi? Allez, vite! Est-ce que tout va bien? Ça va. Je suis toujours en pied. Vamos bien. Bien. Samuel, à couvert. Samuel, dans une minute, soit on est libre, soit on est mort. T'es prêt? Oh, ah, voilà.
Bordel, recule! Samuel, de l'eau. Oh non, non, je vais bien. Je vais même beaucoup mieux que bien. Tiens, t'es déshydraté. Allez, bois un peu. C'est gentil. Alors, qu'est-ce que va faire Samuel Drake maintenant? C'est vrai, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà prendre un bain, dormir dans un vrai lit, trouver un corps bien chaud pour dormir à côté de moi, retrouver mon frère. Ce sera un bon début. Oui, c'est vrai. Et donc, combien de temps tu penses qu'il va te falloir pour mettre la main sur le trésor d'Avery? C'est difficile à dire. Il faudrait que je retourne aux States pour reprendre mes recherches. Combien de temps? Je saurais pas tant que j'aurais pas commencé. Je croyais que tu savais où il était. Oui, je sais, à peu près. En fait, tu vois, c'est pas comme si Avery avait laissé une carte avec une grosse croix rouge dessus, mais j'ai quand même une carte solide. Oh, d'accord. Attends, attends. Non, 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 attends. Non. Hé, hey, doucement. Tu sais que je t'aime bien. Mais ce qui compte le plus, c'est que je t'ai cru. Et c'est pour ça qu'on est là. Écoute, je peux le retrouver, d'accord? Il me faut juste un peu de temps. Dame et un cuchillo. Tu vois, le problème, c'est que... je commence vraiment à me demander si j'ai bien fait. Hector, il faut que tu me crois. Je vais le retrouver. Je te le promets. Non! Combien de temps? 6 mois. Les gens sont fainéants. Il faut toujours qu'ils demandent plus de temps qu'ils en ont besoin. T'as 3 mois. 3 mois, mais c'est impossible. 3 mois. La moitié du trésor. Je peux compter sur toi. Dis-le. 3 mois, la moitié du trésor. Tiens. Si tu t'enfuis, ou t'essaies de cacher le trésor, ou que tu tentes quelque chose de vraiment stupide comme avertir les flics, je le saurai. Et quand tu t'y attendras le moins, je serai là. À ce moment-là, je te ferai pas le cadeau de te donner la mort. Oh.
Tiens. Allez, lève-toi. La ville la plus proche est à 10 km dans cette direction, vers le soleil levant. Ça fait un bail qu'on n'a pas vu le soleil se lever dehors, hein? Vamos! Et quand je l'aurai trouvé? Je fais quoi? T'en fais pas. Quand le moment viendra, je viendrai chercher ma part. Buena suerte, Samuel! Donc, Alcazar m'a laissé mettre les boules. Et voilà. Je me sens mal. Non, il faut juste qu'on prenne la piste là où on l'a laissée. Quelle piste? Arrête, il n'y a plus aucune piste. Après notre fuite, Rafe a utilisé la fortune de ses parents pour acheter les terres autour de la cathédrale Saint-Dismas. On a passé la zone au peigne fin. Le trésor d'Avry ne s'y trouve pas. Mais Rafe n'a pas baissé les bras. Cet abruti continue de creuser depuis des années alors qu'il n'y a rien là-bas. C'est pas une grosse surprise. De quoi tu parles? Il se trouve que, tu sais, moi aussi j'ai un peu creusé dans mon coin. Et... je te parie que Rafe n'a pas trouvé ça. C'est fou ce qu'on peut trouver sur Internet de nos jours. C'est juste la croix de Saint-Dismas. T'en es sûr? Parce que la croix qu'on a trouvée était brisée et creuse, il me semble. T'as raison, celle-ci est toujours intacte. Avry avait fabriqué plusieurs croix. Donc ce qui manquait dans celle qu'on a trouvée au Panama... se trouve encore très certainement dans celle-là. C'est incroyable. Où est-ce qu'elle est? Oh, alors, cette magnifique pièce sera vendue aux enchères dans 3 jours, au domaine Rossi. Au domaine Rossi? Ah, tu connais. Bah, ouais. Et je peux savoir comment tu comptes mettre la main sur une invitation à ces enchères clandestines, ultra prisées et sécurisées? Bah, je me dis qu'on n'a pas forcément besoin d'être invité officiellement. Ah, ouais. Et où tu comptes te procurer assez d'argent pour acheter la croix? Même en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison, on sera encore loin du compte pour... Ok. Tu vas essayer de la voler, c'est ça? Non. On va la voler. Oh non. Non, Sam, désolé, je peux pas. Je fais plus ça. Quoi? Non, sérieux, non, je tombe plus dans ce genre de combine, c'est tout. En plus, il y a un tas d'autres mecs qui sont vachement mieux équipés que moi pour faire ce genre de truc. Comme qui? Je sais pas, moi, Putain. N'importe qui, Charlie Cutter. Non. Mais si, non, c'est lui que j'irai voir pour un coup comme ça. Rêve. Il n'est pas question que je mette ma vie entre les mains de Charlie ou de n'importe quel autre mec de ton répertoire. Tu piges? C'est de toi dont j'ai besoin. Mais merde, il y a forcément un autre moyen. Pas en si peu de temps, non. Et pas face à Alcazar. Chérie, c'est moi. Écoute, tu vas vraiment pas en croire tes oreilles. Jameson vient de passer, on a les autorisations. Ouais. Je sais, c'est une sacrée surprise, mais... je crois que je vais finalement accepter ce job en Malaisie. Tu vois quelque chose? Rien qu'une bande de criminels de luxe sur leur 31 qui se la racontent. Et je vois toujours pas notre ami Sullivan. On a encore largement le temps. De ce que je vois, ils stockent les œuvres dans le bâtiment qui se trouve derrière le manoir. Tu le vois de là où t'es? Ouais, mais alors juste le sommet. Je me demande ce qu'ils peuvent bien planquer là-dedans. On va se concentrer sur la croix d'Avry, ok? Des trésors. Tu veux pas qu'on rapporte quelque chose à ta femme? C'est sympa. Allons à l'essentiel. Ok, on va faire ça.
Ce serait beaucoup plus simple si on était que tous les deux. Sam... Mais on serait déjà à l'intérieur. Dans quelles conditions? J'espère au moins que t'as pensé à mettre au point un plan B au cas où Sullivan se dégonflerait. Non, parce que j'ai confiance en lui. Et s'il se faisait prendre? Sam, il connaît les gens qui organisent les enchères. Il va s'infiltrer dans cette petite fête, monter à l'étage, déverrouiller la fenêtre et on sera dedans. C'est un super bon plan. Bon, ça suffit. Vas-y, dis-le. Comment être sûr qu'il va pas garder la croix? Non, il ferait jamais un truc pareil. Victor Sullivan, t'es sûr qu'on parle bien du même Victor? Oui, je sais qu'il a déjà doublé des gens, mais il nous ferait jamais ça. Non, peut-être pas à toi. Je sais que ça a toujours été compliqué entre vous deux. T'es en dessous de mais, la vérité. Mais je lui fais confiance, ok? C'est ma famille. Attends, non. Écoute, je veux que tu lui fasses confiance, toi aussi. D'accord. Il va assurer, je te dis. Assurer. Mais bon, faudrait quand même que tu réfléchisses une seconde à l'éventuelle probabilité. Là. Tu vois? La confiance. Et quoi? Essaie de pas salir ton smoking. Merci.